Wassalam, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler du rêve, du tremblement de terre et de ses différentes significations. Mais avant ça, sachez que je propose des interprétations personnalisées et confidentielles à partir de 5 euros par mois sur Patreon ou Buy Me a Coffee. Pour ce prix-là, vous avez des interprétations illimitées pour le mois en question. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, vous pouvez faire un don ponctuel via Xoom qui se base sur PayPal Western Union. Tarif est de 20 euros et ça couvre 2 mois et plus d'interprétations. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran. Et si vous me contactez la première fois, la première interprétation est gratuite. Tous les liens, les informations sont dans la description. Dans un rêve, un tremblement de terre représente la peur d'une autorité supérieure. Un séisme dans ce rêve est également interprété comme indiquant des changements majeurs dans cet endroit particulier ou qu'une calamité qui s'abattra sur une ville ou un pays. Si on rêve que des montagnes grondent, tremblent et s'effondrent, puis qu'elles sont restaurées à leur état d'origine, cela signifie qu'un grand événement va dévaster un tel endroit. Si on rêve que la terre tremble ou s'effondre, et que tout s'enfonce dans le sol, frappant une partie de la communauté et épargnant une autre partie, cela signifie qu'une calamité s'abattra sur cet endroit et elle se manifestera par des désordres sociaux, des injustices ou une épidémie. Si l'on rêve que la terre tremble et que le firmament, le ciel, se déchire, cela signifie que des adversités majeures frapperont leurs propriétés, leur bétail, leurs fermes et leurs institutions, comme un châtiment divin pour les péchés des gens. Si on rêve que la terre bouge sous ses pieds, cela représente alors ses efforts et sa poursuite de ses besoins commerciaux, de ses moyens de subsistance. Un tremblement de terre dans un rêve représente également la révélation de secrets, l'annonce de mauvaises nouvelles, une peur générale, des troubles publics, l'apparition de nouvelles maladies. Si l'on rêve que des murs s'effondrent, cela signifie sa mort, notamment ceux de sa maison. Voir un tremblement de terre dans une terre arable, dans un rêve, signifie la fertilité ou une bonne récolte. Un tremblement de terre dans un rêve peut également signifier des voyages, de la danse, l'abstraction des affaires ou une dispute avec sa famille. Si la destruction frappe les bâtiments dans les zones urbaines dans le rêve, cela signifie la croissance des affaires pour les ouvriers du bâtiment, les entrepreneurs ou les industries connexes. Voir un tremblement de terre frapper une ferme fruitière signifie parfois une bonne récolte. Les significations sont également différentes selon le mois où se produit le tremblement de terre dans votre rêve. S'il a lieu au mois de mai, cela indique une bataille féroce, des combats entre des gens ou des troubles publics. Si le rêve a lieu au mois de juin, cela signifie la destruction des métiers malfaisants et de l'argent, donc des métiers liés à la criminalité. Si le rêve a lieu pendant la journée, cela signifie la nomination de personnes instruites à des postes de direction au sein du gouvernement, mais que ces personnes, par la suite, deviendront de véritables tyrans. Si l'on rêve d'un tremblement de terre au mois de juillet, cela signifie qu'une personne importante mourra à cet endroit. S'il se produit au mois d'août, cela signifie qu'un ennemi attaquera ce pays. Si le séisme se produit au mois de septembre dans le rêve, cela signifie qu'un étranger entrera dans cette ville et par la suite, la ville sera frappée par une grave épidémie et des souffrances. S'il se produit au mois d'octobre, représente une maladie courante, la sécurité des femmes enceintes et la baisse de la stabilisation des prix. La baisse ou la stabilisation des prix. Si cela se produit au mois de novembre, cela signifie des fausses couches fréquentes. Et cela se produit au mois de décembre dans un rêve, cela signifie de graves calamités, des épidémies et la mort, bien qu'aucune menace ennemie ne soit visible. Si cela se produit au mois de janvier dans le rêve, cela signifie la mort de jeunes hommes ou de jeunes femmes. Et si cela se produit au mois de février, cela signifie la faim et des fausses couches. Au mois de mars, cela indique la prospérité et la bonne récolte. Et si une femme enceinte Si une femme enceinte voit un tremblement de terre dans son rêve, cela signifie qu'elle va bientôt accoucher. Donc voilà à peu près le rêve de tremblement de terre. Sans trop de surprises, c'est extrêmement négatif. Il y a quelques
cas où c'est un peu positif, mais généralement, le tremblement de terre, c'est vraiment un malheur général. C'est-à-dire que ça vous cible pas forcément, en fait. C'est vraiment, c'est votre pays ou votre ville ou votre communauté qui est visée. Généralement, ça indique un châtiment divin, ça indique une crise économique, des maladies, une guerre, etc., etc. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à aller dans la description sur comment vous pouvez me soutenir financièrement. J'ai toujours mon appel de soutien financier pour mes besoins médicaux. Le montant à réunir est de 300 euros. Tous les montants sont bienvenus. Vous devriez vous l'envoyer par Zoom ou Western Union parce que c'est plus pratique pour moi. Contactez-moi sur WhatsApp à ce propos. Voilà pour les coordonnées d'envoi et tout. J'espère que vous répondrez vraiment nombreux à mon appel. C'est vraiment important. Donc, je vous dis à bientôt.